Bonjour à tous. Donc je m'appelle Tiffaine, je représente je suis cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Metacar. Je représente aujourd'hui mes associés. Nous avons pour modeste ambition que de révolutionner le transport partagé. Juste avant de commencer, un petit sondage. Combien parmi vous sont venus aujourd'hui en transport en commun ? Très représentatif, donc 3 mains. Combien sont venus en voiture ? Voilà. Donc vous mettez exactement la main sur la problématique de la mobilité partagée en zone périurbaine. C'est à ce problème qu'on aimerait donc répondre avec Metacar. Donc Metacar, on vous propose quoi ? Kiwi ? Kiwi, ce sont des petits véhicules électriques disponibles en autopartage, donc en libre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez me dire, oui, jusque-là, très bien. Elle est où la révolution dont on parlait ? Du véhicule électrique en autopartage, on connaît, c'est Autolib. Oui, alors la révolution, elle est plutôt côté back-office pour l'opérateur du système. Nos petits véhicules Kiwi, il y a une grosse innovation technologique à leur origine, c'est qu'ils ont cette capacité de s'emboîter jusqu'à 10 véhicules, comme par exemple des caddies sur un parking de supermarché. Et donc, côté opération, tous vos véhicules partent parce que les utilisateurs ont pris un véhicule et sont allés se déplacer. Et côté opération du système, vous avez un seul conducteur qui va collecter jusqu'à 10 véhicules pour venir les ramener là où ils sont nécessaires. Ça diminue d'autant les coûts d'opération. Petite cerise sur le gâteau, il vous faut qu'une seule borne de recharge pour recharger jusqu'à 10 véhicules. Donc on diminue les coûts d'infrastructure. Et c'est avec cette innovation techno qu'on rend l'autopartage rentable en zone périurbaine. Donc si on repart sur le cas, donc pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas compris, on mixe Autolib et Vélib. Et ça fait l'autopartage rentable pour tout le monde. Si on reprend le cas d'aujourd'hui, par exemple, vous venez depuis Lyon, vous prenez le train, vous descendez à Saint-André-de-Corcy, il vous reste quelques kilomètres à parcourir. Dans le train, vous avez réservé un Kiwi qui vous attend en station devant la gare. Vous parcourez vos derniers kilomètres jusqu'ici devant le domaine. Vous terminez votre location, vous laissez votre véhicule et vous passez votre journée au domaine sans problème. Même chose en sens inverse. Vous réquisitionnez un véhicule qui vous sera apporté, vous faites vos quelques kilomètres jusqu'à la gare et vous reprenez le train, vous rentrez chez vous. Donc ça, c'est la manière dont ça aurait pu fonctionner aujourd'hui. Nous aurions donc tous se passer de notre véhicule particulier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous, Metacar, nous avons 6 prototypes roulants que nous avons testés donc, en conditions réelles. On les a brevetés et on en est arrivé à l'étape où début 2022. Donc quand je dis qu'on les a testés en conditions réelles, on les a aussi testés avec de futurs utilisateurs. On a fait plusieurs démonstrations, notamment place des Jacobins à Lyon. Et aujourd'hui, on en est où ? Début 2022, on a enclenché plus de 8 millions d'euros de financement pour finaliser notre solution. Donc à la fois du financement public BPI et du financement de nos partenaires. Juste un partenaire pour vous citer. Nous, Metacar, on est concepteur et architecte de la solution. On est propriétaire de la solution techno. En revanche, on n'est pas industriel automobile. Donc on fait faire nos véhicules par JTECT, qui est une filiale de Toyota. Et donc les petites Kiwis seront produites à l'usine d'Irini, qui est au sud de Lyon. Et donc on a enclenché en début 2022 plus de 8 millions d'euros à la fois BPI et à la fois de nos partenaires, dont JTECT, de manière à mettre sur la route nos Kiwis à horizon 2023. On a deux terrains d'atterrissage qui sont sur le Grand Lyon, la zone industrielle de Mézieux et Vez Industries, pour par exemple acheminer vos salariés jusqu'à Polypousse. Voilà. Voilà, vous êtes à quasiment 1,5 km, 2 km de la gare de Vez. Donc pour enclencher cet argent, il nous faut aujourd'hui, donc nous finalisons aujourd'hui Metacar une levée de fonds de l'ordre de 3 millions d'euros. Il ne nous en manque plus qu'un. Et comme je pense que j'ai plus de chances de l'obtenir avec vous aujourd'hui qu'en jouant à l'Euro Mignon, je me suis présentée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Tiffaine. Deux petites questions. Est-ce que vous pourrez réexpliquer comment une voiture, on passe à 10 avec un conducteur là, Alors vous, usager, vous avez une application et vous louez un véhicule, vous prenez votre véhicule comme vous prendriez une trottinette ou un vélo en libre service. En revanche, c'est côté opération. On travaille avec un opérateur, Citis, Transdev, Keolis. Et lui, en gros, on a tous des trajets pendulaires. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le Kiwi, c'est vraiment pour du trajet domicile-travail quotidien. On veut que les gens abandonnent leur véhicule particulier pour se reporter sur le transport public et leur apporter ce dernier kilomètre en zone périurbaine. Et donc c'est l'opérateur. Vous avez tout le monde qui va prendre un véhicule, qui va aller là où il doit aller, et tous vos véhicules vont se dispatcher. Et la problématique d'un Autolib, c'est qu'il faut ramener vos véhicules, un conducteur, un véhicule. Et c'est pas du tout rentable. L'innovation techno qui permet d'emboîter ces véhicules et de les faire fonctionner, c'est-à-dire que vous avez un seul opérateur professionnel qui peut aller les chercher, en emboîter 10 et les ramener au point de départ,
diminue par 10 le coût d'opération. Et c'est ce qui assure la rentabilité du système. Pour ne rien vous cacher, toutes les datas d'Autolib étaient en open source dans les années 2015-2016 quand ça a été lancé. Et en fait, on est reparti du cas d'école d'Autolib, entre autres. Et à 10 voitures, on a une grande chenille ou... Ouais, vous avez une grande chenille. Vous avez un équivalent d'un bus ? Ok. Ouais. Une très grande chenille. Du coup, après, sur la partie développement derrière, les premiers, alors, qui vont être les clients du coup de Metacar ? Est-ce que c'est le particulier final qui utilise ? Est-ce que c'est des délégations de services ? Est-ce que c'est des collectivités ? Par qui ça passe ? Et au-delà de la question de qui est le client, c'est quoi un peu le modèle économique qui se dégage, hein, parce qu'on est quand même sur de l'innovation aussi, sur la façon dont ça va se comporter. Hein. Quand on voit par exemple les flottes de trottinettes qui finissent dans la Saône, on se dit qu'il y a quand même pas mal de risques avec le côté social un peu à la française. Donc c'est quoi, comment vous prémunissez, comment vous allez chercher les clients et comment vous les rassurez, quoi. Tout à fait. Alors sur nos clients, on est dans un modèle B2B. Nous, on fournit une solution de mobilité. Pour simplifier la chose, on la vend à un opérateur. Sous-entendu, là, aujourd'hui, Kiwi est dans le catalogue d'offres d'un transdev. Parce qu'un transdev répond à des délégations de services publics, il sert la collectivité, et il a une obligation de proposer des solutions de dernier kilomètre. Pareil, pour simplifier un peu la chose, ça peut être du Navia, véhicule autonome, ça peut être du Kiwi. C'est à peu près les mêmes cas d'usage. Donc ça, c'était sur le premier aspect. Sur le deuxième aspect du modèle économique, on est sur quelque chose d'assez similaire à ce qui se fait aujourd'hui sur toutes les mobilités partagées, c'est-à-dire que vous avez un forfait mensuel, un peu, on dirait, anecdotique, pour utiliser le service. Vous arrivez, vous déverrouillez un véhicule et c'est du pay as you go, c'est-à-dire vous l'utilisez 10 minutes, vous allez payer 10 minutes d'usage. Fin du débat. La petite subtilité, c'est que vous pouvez avoir un modèle économique où, comme on est en complément du transport public et comme on répond à une DSP, vous avez potentiellement de la subvention de la part de la collectivité. Mais nous, Metacar, on vend à Transdev ou à Keolis, on vend à l'opérateur de transport et c'est lui qui s'en occupe via sa tarification à l'usager. C'est assez clair comme réponse. Et juste à titre de comparaison, dans tous les modèles de déploiement, et notamment on parlait de Vez Industries, on est sur de l'ordre de 2 euros du trajet, ce qui est l'équivalent d'un ticket de bus. Ça permet de rentabiliser, enfin d'équilibrer, voire de rentabiliser le système. Et grosso modo, le budget moyen de détention d'une voiture particulière aujourd'hui, c'est de l'ordre de 6 000 euros par an. Donc à 2 euros du ticket de bus sur 2 trajets par jour, le matin pour aller bosser, le soir pour rentrer, toute l'année, vous êtes à grand max avec votre abonnement à 1 000 euros par an. Vous êtes 6 fois moins cher pour l'usager final. Ok, non, c'est clair. Vous avez imaginé aussi un axe de développement B2B directement avec les entreprises, entre le constructeur et les entreprises en fait. Alors je ne vais pas citer Groupama, mais ça pourrait être un prospect. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ? Alors, je vous remercie parce que vous posez vraiment toutes les bonnes questions. Donc, typiquement, on l'avait bien préparé ensemble. Ah, ouais, c'est ça. Non, alors typiquement, notre deuxième cas d'atterrissage, c'est la zone industrielle de Mézieux. La zone industrielle de Mézieux aujourd'hui, donc les employeurs sont en association et ils ont une vraie problématique, c'est d'accès aux compétences. En fait, ils ne sont pas accessibles au transport public ou difficilement. Du coup, vous avez toute une population d'alternants, par exemple, qui ne peuvent pas aller travailler, qui du coup ne vont pas travailler chez ces employeurs. Donc vous avez des pôles d'employeurs réunis en association, vous avez les plans de mobilité inter-entreprises, etc., qui se mettent en place et qui recherchent ce type de solution, effectivement. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'une potentielle subvention de la collectivité, vous pourriez aussi avoir une potentielle subvention de la part de la sphère des employeurs, enfin un cofinancement de la part des employeurs. Et c'est envisagé, tout à fait. Et on met combien de personnes dans la voiture ? 2 voire 3, okay. En fonction du modèle.